Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais très envie de vous présenter cette application qui s'appelle DroneBlock, dont le but est de programmer soi-même, avec un langage simple, des missions automatisées pour un drone. C'est très ergonomique, il suffit de déplacer des blocs basiques de programmation, de les enchaîner, et vous allez vous-même pouvoir concevoir une mission. Donc cette application est disponible pour iPad et pour iPhone. On la trouve sur l'Apple Store, elle est gratuite. Vous aurez également sur l'Apple Store des liens vers le site web du créateur de cette application qui s'appelle Dennis Baldwin, qui est un ingénieur américain. Donc ce qu'on va faire ensemble, c'est programmer une petite mission dont l'objet sera de décoller, de se mettre à une hauteur sol prédéfinie, de faire un tour à 360 degrés en prenant une photo tous les 60 degrés, puis de revenir au point home et d'atterrir. On utilisera ces photos par exemple pour faire un panoramique. Alors pour réaliser un panoramique, vous trouverez de nombreux logiciels sur internet qui permettent de recomposer à partir de différentes photos une vue panoramique. Tout d'abord, on va dans l'application DroneBlock, on va programmer cette petite mission. Ensuite, on va la réaliser avec un Phantom 3 Pro. Et puis derrière, on fera notre panoramique. On a démarré la radiocommande et l'appareil, le Phantom 3 Pro. On a bien mis la radiocommande sur la position F pour fonction, pour les vols automatisés du Phantom 3 Pro. Donc, en répétant 6 fois cette boucle, on va faire un tour complet. Une fois cette boucle terminée, on revient à la maison et on atterrit. Pour démarrer la mission, ici, on fait preview. Voilà, donc notre appareil, il est positionné ici. C'est une mission verticale et on peut démarrer la mission en faisant start. Et on y va. Voilà, donc la mission est partie. On garde quand même l'émetteur dans la main au cas où. Donc ici, en cliquant sur la petite miniature, on peut grossir la vision et ici revenir à ce mode.
Voilà, donc il a fallu donner quelques corrections pour qu'il n'aille pas se poser trop loin. Je souligne que cette application est compatible avec la gamme des Phantom 3 de DJI, avec le Mavic Pro et avec l'Inspire 1 et le Phantom 4. Ce sont les appareils aujourd'hui mentionnés comme étant compatibles avec DroneBlox. Merci à tous, donc à tout de suite dans l'application, puis ensuite sur le terrain.